Je veux juste qu'on faire un truc. Ici, on s'en fout. Oh. Je vais mettre ça. Celle-là sur YouTube. On va mettre celle-là aussi sur YouTube. Bah t'es plus voc. Ah bah j'ai rien dit. Du coup on continue. Ah c'est l'anniversaire de ma petite soeur aujourd'hui, je reconnais. Mais t'es plus vœux que nini. Fais du service. Ah, tu t'en vas, on peut utiliser que celui-ci. Allez, femme! Le véhicule du chevalier d'Arkham avec le scanner médico-légal de la batte mobile pour le gaz. Let's go! Question de tarot. Comment l'épouvantail a pu s'en prendre à ta technicienne informatique? Moi, quand je lui ai tiré dessus, j'ignorais qu'elle roulait pour toi. C'était un coup de chance. Sérieusement, c'est la tête que je visais. Si seulement j'avais eu un télescope le jour où Barbara est tombée à mes pieds, ce pauvre Tim n'a eu droit qu'à un chapeau à part. Les traces de pneus me mèneront à Barbara. Je peux les suivre grâce au scanner de la Batmobile. Alfred, je veux le nom du chevalier d'Arkham. Moi aussi, maître Bruce. Il n'a certainement pas choisi ce nom par hasard. Par où voulez-vous commencer? Je crois qu'on va se prendre une douille quand on va l'apprendre. Consultez les dossiers de tous les détenus qui ont été libérés suite à la mort du Ghost Strange. Et Alfred. Monsieur. Il savait pour Barbara. Activez les protocoles de sécurité de l'Arkham. Ne relâchez pas votre attention. Tout s'en va, Alfred, je mange et j'arrive. Ok. Un dispositif. Ça a creusé un sillon dans la route. Oui, je le vois. Des dispositifs similaires apparaissent dans toute la ville. Je mène l'enquête. C'est une bombe, Alfred, et elle est bien protégée. Oh ciel. Dans ce cas, monsieur, ne devriez-vous pas vous éloigner de la zone? Je vais établir un lien à distance avec le bat-ordinateur et lui envoyer tous les virus en stock. Une fois qu'on sera passé, je pourrai accéder au noyau et le neutraliser avec une explosion contrôlée. Très bien, monsieur. Je dois cependant vous signaler que la milice a déjà déployé un peloton de tanks pour vous arrêter. Ils essaient. Monsieur, le téléchargement du virus a déstabilisé le dispositif. Si vous vous éloignez trop et perdez la connexion, tout sera rasé sur 10 patrons. Je le comprends, okay. Il tente de désamorcer le dispositif, comme vous l'aviez prévu. Les drones ont été déployés. Je sais, chef. Vous êtes trop loin, monsieur. Ils vont faire sauter la bombe. Je blindage résiste. Un en moins, chef. Il faut faire passer pour ta
C'est des missions secondaires, ça. Mais comme tout à l'heure, on les fait à la fin parce que là, on peut pas y aller dans les zones. Donc, Cet avertissement a été diffusé publiquement. Je suspecte que le chevalier d'Arkham de vouloir dissuader toute intervention extérieure. Alfred, la piste du chevalier d'Arkham mène à Miaganiac. Abaissez le Mercy Bridge. Impossible, monsieur. C'est bloqué. La milice a dû réussir à s'infiltrer dans le système de contrôle des transports. Trouvez-moi leur point d'accès. Bien. Si je suis le trafic du réseau, il semblerait que tout soit redirigé vers la gare de Grande Avenue. Alors c'est forcément là-bas. Je vais y aller à pied et prendre le contrôle de leur point d'accès. Je vous contacterai quand vous pourrez abaisser le train. Prenez garde, monsieur. Les drones et les troupes de la milice quadrillent Miagani Island. Les pompes, c'est trop cheaté par contre. Hein. Les hommes du chevalier d'Arkham sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser les pompes. Attends, parce que là, du coup, il faut que je. Ils sont dessous. Je me semblais. C'est pas un barbara de faire ça. Oh, mince. Avec tout ce remue-ménage, j'avais oublié. Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Jim passera l'éponge si tu la sauves? Il est rancunier. Tu peux me croire. Alfred, j'ai réagi. Oh Seigneur, est-ce bien qui je crois? Enigma. Contactez-moi quand vous serez prêt avec le plan. Petit Eddie. Pourquoi Batman visite alors Tolina à bord de Alors Eddie, mon chou, tu me confonds sûrement avec Rebellion.
Monsieur le Barbaraki et moi, on n'est pas si proches. Oh, 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 je sais. C'est à cause de ce qui peut arracher à sa famille féminine s'il n'arrive pas à le faire. Choqué, chevalier noir, vous êtes étonné? N'y attendez pas. C'est parce que tu n'es pas de taille contre moi, Edouard Digma, l'homme mystère, ton supérieur intellectuel. Tu m'as humilié. Le bad. C'est tanké tous ces trucs, ça a dû coûter une blinde. L'homme mystère a enlevé Catwoman. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien, je le jure. Pourquoi? À quoi joue Nigma? J'en ai aucune idée. Je l'ai juste amené ici et j'ai placé les trophées dans la zone. C'est tout. Vous devez me croire. Je te crois. Batman, ça a intérêt d'être... On reste calme. Est-ce que tu vas bien? À merveille. Quelle petite fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir? On s'en va. Toi, peut-être, mais pas moi. Ah, enfin, tous les participants sont là. Ce soir, il y aura des énigmes à gogo. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter mes chers acolytes. J'en ai eu assez de compter sur ce que les désespérants parfaits de Gotham avaient à offrir en termes de main-d'œuvre décérébrée. Pourquoi s'encombrer d'humains quand on peut concevoir, programmer, construire et produire bien mieux soi-même? Vous faites la paix, les autres. Ensemble, vous êtes juste assez talentueux pour survivre. Savoure ce moment, chevalier noir. Je te réserve bien plus que les choses sur lesquelles elle a passé. Je l'ai pas né. Mais what? Je suis bien. Est-ce que vous êtes entendu chose? Est-ce que je peux vous aider un peu? Je suis sûr que tu as apprécié, détective. Ce sera le meilleur moment de ta vie. Vois-tu, chevalier, c'est fascinieux, ça. C'est mieux offrir un premier moment de mon. Bonne soirée à vous.
Le Sphinx. Je reviens vite. Tu reviens tout de suite, oui. Les gars comédiens me fichaient la paix avant que je commence à me faire Mais moi, faut que je me focus sur ma... Maître Bruce, j'ai repris le contrôle des ponts. Très bien. Je vous contacte dès que je suis en position à Mercy Bridge. Est-ce que tu vas sauver l'ami incompétent qui s'est étendu et à l'ami incompétent qui s'est étendu? À ta place, tu vas voir le défi concocté par le gris. Je suis sûr que vous avez beaucoup de mal. Tu ne peux pas sauver entièrement Barbara. Je l'ai déjà tué à moitié. On va continuer la mission principale. Hein. Les missions secondaires, on les fera plus tard.
Attendez, attendez. Le meuble. Samedi. Quoi? Je pourrais mieux l'inviter à boire un verre ce coup-ci. Plombe-toi, plombe-toi. Putain. Oh, faut avoir. Vous avez dit 15 ans pour retirer? Ouais, j'avais 15 ans. La voiture est sortie de la route. On dirait que le conducteur ne portait pas sa ceinture. Je devrais trouver le corps. Sur la joue droite du conducteur. Oracle devait être sur le siège passager quand elle a provoqué l'accident. Astucieux. Je devrais examiner l'endroit où elle était assise. C'est magnifique, bravo. Squeeze, ne bouge pas, OG, je vais appeler la réception et te faire passer pour un livreur, ok, pour sortir de cette merde. Ok, ok. Je vais peut-être traîner un peu dans la. Dès que le mec sort, vous sortez, les gars, ok? Ouais. Hôtel Bâtiment, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, je suis devant la grille là, c'est de la merde. Il faut que je trouve un moyen de suivre la piste de Rack avant de partir. Je reviens tout de suite, s'il vous plaît, vous le posez dans le sas quand tu veux. Très bien, mettez-vous à l'aise, vous avez monsieur. Ok, Lucas, sors, 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 sors. Il y a zéro preuve.
Je ne peux pas partir avant d'avoir trouvé un moyen de suivre la piste d'Oracle. Doucement, doucement, doucement. C'est très très lugubre. Je vais entendre ronfler dans vos oreilles. Tais-toi, je t'en souviens. C'est la pire chose de venir, ma vie. Il faudra un ciseau. Ah bah attends, je suis bête. Pas, hein. Il y a un fil ou pas? Oui. Il y a pas un système de clé pour un truc comme ça que tu peux décrocher? Je me dis d'examiner le siège passager, je veux bien. Quelqu'un lui a tiré dessus. Devrait analyser le point d'impact pour des preuves balistiques. Le calibre correspond à l'arme de poing du chevalier d'Arkham. La trajectoire et la profondeur de l'impact désignent un tireur de sa taille. À cette distance, il ne pouvait pas manquer sa cible. Un tir d'avertissement. Exactement. Bon, il y a nos noms, nos mesures, notre poids. Vous êtes les prochains, j'ai l'impression. Putain, toi, il va te voler ton pancréas, à ton cœur, ta rate, ses reins. Ça t'est pas volé, ouais. Et moi, c'est cœur pour mon foie. Sur ma caméra, je vois un... Ok. Quelque chose m'échappe. Oracle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Elle n'a pas provoqué cet accident pour rien. Elle a dû laisser un indice en rampant hors du véhicule. Ouais, non, mais encore quelques photos. Attends, on est passé cette heure. C'est ça. Répondez, on revenait. Oui. Bonsoir.
Oracle m'a laissé ce couleur sur le lieu de l'incident. Décryptez les données, je puisse localiser les chemins. C'est plus dans les cordes de mademoiselle Gordon. Je vais faire mon mieux. Mais ça prendra un moment. Je vous retrouve à la tour Wayne. Alfred, nouveau sur les criminels les plus recherchés. Un instant, monsieur. Tenez, j'ai deux heures viennent d'arriver. Une mystérieuse silhouette masquée a été repérée sur un toit de Grand Avenue. Il est à noter qu'elle se tient près d'un bal symbole en feu. Monsieur, il pourrait être judicieux d'établir s'il s'agit d'un allié ou d'un ennemi. Il faut qu'elle vous ouvre. De nouveaux rapports signalent également un incendie à la caserne de Bristol. Le sabotage de l'alimentation et des extincteurs automatiques sur les lieux indique une origine criminelle. Vous voudrez peut-être aller voir ce lieu. Je vous mets sous la porte. Je vous mets sous la porte. Super, super. Non mais mon point, m'inquiète pas que je me mette des histoires pour me garder ça. Vous savez que monsieur Joseph, moi. Mais vous aurez pas dormi, vous retournez dormir dès que vous nous avez ouvert. Vous ouvrez juste la porte. D'accord. C'est pareil, on le fera plus tard. C'est les trucs si on parvient à découvrir. On fera quand on aura. Du chevalier d'Arkham, on pourra le localiser. S'il pense pouvoir vous échapper, monsieur, il risque une cruelle découverte. Allez, mettez-vous au sol. Il faut que vous vous cachiez. On se cache, je suis arrivé. Braquage de casse, quoi. Les gars, c'est braquage de casse, quoi. Je sais pas, je sais pas. Pourquoi il va là-bas? C'est gentil à vous de passer, monsieur. Vous n'aviez pas la tenue appropriée pour l'entrée principale. Vous avez terminé le décryptage? Tout est décodé. J'ai chargé toutes les transmissions radio récentes de la milice et leurs coordonnées correspondantes sur votre machine. Merci, Lucius. Je peux trouver l'empreinte vocale du chef et déterminer l'emplacement de sa dernière transmission à ce canon. Dites-moi sur quel aspect nous devons concentrer nos efforts. Comment je l'aime? Nano? Quoi? L'amélioration. Excellent choix. Je vous prépare ça tout de suite. Bah, si je peux, ouais. Quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je serai là toute la nuit. C'est moi demain, j'ai l'examen, donc je sais pas. Faut que je vois, je sais pas. Mais t'as le Covid, gros teubé, moi. Mais gros, même que j'ai le Covid, je vais en cours, j'ai examen, t'es fou quoi? M'en bats les couilles que j'ai le Covid, moi. Personne ne saura. Vous savez, je me rappelle ce bureau lorsqu'il était encore celui de votre père. Il n'a pas changé d'un. Vous, en revanche...
J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir permis à Clara de rester. Elle dit que la tour Wayne est l'endroit le plus sûr à des kilomètres. Et sur ce point, on ne peut pas lui donner tort. Tu sais, si j'avais vraiment voulu connaître ton identité, je t'aurais arraché ce masque il y a des années. Je me suis toujours dit que la vérité serait décente, mais je reconnais que se faire passer pour le mondant le plus barbant de Gotham, c'est une sacrée couverture. Mes parents morts, c'est la cerise sur le gâteau. Lucius n'est peut-être pas seul. Entrer en tenue de Batman serait une mauvaise idée. Comment je change ma tenue, moi aussi? T'es drôle, toi. Faut que je... Ah, là-bas. Ok. Ah, il a fallu que vous gâchiez la surprise. J'espérais le garder au chaud jusqu'à ce qu'il soit fin prêt. Brouilleur nouvelle génération. Il restera quelques réglages à effectuer, mais j'ai pensé que ce prototype vous intéresserait. Je pourrais vous l'envoyer plus tard dans la nuit. Merci, Lucius. Je risque d'en avoir besoin. Bon, je peux y aller, hein. Lucius n'est peut-être pas seul. Entrer en tenue de Batman serait une mauvaise idée. Ça me gratte le crâne, si là. Si je puis me permettre, monsieur Wayne, la nouvelle tenue de Batman est super. Bien sûr, elle est tombée sur moi. Comment je peux changer de... d'identité, moi? Ça veut juste les faire ressortir, en fait. Wesh. J'aimerais bien me changer, en fait. Ce jeune imposteur semble étonnamment bien équipé. On dirait que sa tenue est inspirée de l'un de mes anciens visages. Soyez prudents. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miyagani. Excellente nouvelle, monsieur. Alors, en fait, il fallait juste sortir, en fait. De drones dans la zone. Ce serait de la pure folie de les attaquer sans la Batmobile. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée sud? Attendez que je sois sur place, Alfred. Je ne veux pas gagner. Oh. Contact.
Dépêche, 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 dépêche. Tu ne peux plus te cacher nulle part. Wouah, gros, j'ai failli me prendre. Oh, la rafale que j'aurais pu me prendre là. Un en moins, chef. Ils ont fait passer pour des traitants. Ouais gros, c'était chaud là. Attention, les défenses de l'entrée sont tombées. Alfred, je suis à l'entrée du tunnel. Ouvrez les portes. Juste un instant. Oh, du coup, je dis quoi ? J'accède au terminal de sécurité du bâtiment. Oh. Moi, je suis encore sur mon jeu. Tu casses tes couilles. C'est comme ça, c'est la vie, mec. Alfred, il y a une autre porte blindée. J'ai besoin de vous débrouiller. Seigneur, je crains qu'ils m'aient expulsé du système. Ils savent que vous êtes là. Ne vous en faites pas, Alfred. Je trouverai un autre moyen. Je dois trouver un moyen d'ouvrir mon portail. Yeah, y'a du monde. Yeah. Yeah. Ok, j'ai compris. Yeah. Sur l'antidote. J'avance. Mais je n'ai pas de nouvelles de Barbara. Est-ce qu'elle va bien ? Elle va bien. Elle travaille sur quelque chose pour moi. C'est vital. Mais elle est en sécurité. Ne t'inquiète pas, Tim. Concentre-toi sur l'antidote. Dire que Robin ne sait même pas ce qui se passe. Le pauvre. C'est très joker de ta part, mais je comprends pourquoi tu lui as rien dit après la réaction hystérique qu'a eu ce bon vieux Jim. Quand même, si tu tenais à Barbara autant que ton petit acolyte, peut-être qu'elle n'aurait même pas été kidnappée à la base. Ah, ils sont maudits, Batou. Comme toi et moi. Dommage qu'ils soient arrachés l'un à l'autre. Ta croisade. Récapitulons. Barbara a été enlevée. Soyons réalistes, elle est probablement morte.
Tu mens au petit prodige amoureux à son sujet. Et ce bon vieux Jim est parti en solitaire pour sauver la situation. Comment te dire je vais tout simplement te dire un message. C'est pas vraiment ton jour, Batou. T'es vraiment un quelque chose te préoccupe? C'est vraiment un gros fils de pute, hein? Allez! Comment je passe là-bas? De sa cage. Tu ne peux pas le réduire en esclavage à cause de ton remède! En plus, s'il se fait tuer là-dehors, tu n'auras pas à lui annoncer pour Barbara! C'est ouais, faut que je passe là-bas, ok. Vraiment qu'il va régler ton problème de jokerité? Non! Aucune chance! Je suis. Donc comment je peux faire pour y aller? Et je suis. Tu te rappelles? Quand tout était simple, c'était le bon vieux temps. Rien que toi, moi et une guerre classique contre le crime. Regarde autour de toi, Batou. Les choses changent. Maintenant, c'est la guerre tout court. Et toi, tu te trouves au bout du milieu du coup. Bien sûr, dans toutes les guerres, il y a des pertes. C'est inévitable, comme la mort. Enfin, peut-être pas comme la mort. J'ai pu l'esquiver, celle-là. Mais bon, tout le monde l'a pas. Je sais pas comment on peut. Tu te souviens de Thalia? Il a suffi d'un petit bout de plomb pour détruire tous tes rêves de bonheur. Tu m'as tenu pour responsable, bien entendu, mais tu as eu tort. C'est toi qui l'as placé dans ma ligne de mire, Batou. Elle n'a rien fait pour arranger ça. C'est vrai, mais c'est ta faute. Tu vois, les gens te font confiance. Ils croient en toi. Ils te suivent dans tes croisades. Et toi, tous, frère, tués. Je sais pas s'il passe dedans aussi. Mais attends. Du coup, il faudrait que. Je vais essayer un truc. Je vais aller voir là-bas ce qu'il y a, mais je sais pas. Allô, Akbar. Comment ça? Alors comment je peux faire? Comment puis-je descendre? Comment je puis-je ouvrir tout seul? Ah moi je vois que ça en fait. Je vais essayer mais je sais pas. Non ça passe pas. C'est bien ce qui me semblait. Pas comme dans la mer à Samy où ça rentre facilement. Le seigneur ne peut pas nous trouver. Mais il ne peut pas violer. Non mais s'ennuyer devant One Piece, vous allez en bas là direct. J'ai plusieurs proposés pour m'en lancer. S'ennuyer devant One Piece. Ah ok. C'est bon. Fallait juste trouver un petit trou en fait. Maintenant comment je peux y aller? Ok. Ok. Ah
Ah bah j'en ai vu un en plus, je sais plus quand. Ouais, là je fais comment maintenant? Content. Oh putain, j'ai faim, sa mère. Ah, y'a des dents partout, frère. On va essayer d'ouvrir la porte. En fait. Allô, Akbar. Je dois trouver un moyen de faire passer la Batmobile avant de les attaquer. Je sais, mais. Comment je pourrais la faire passer la Batmobile, moi? Et la Batmobile, elle est là. Je ne peux pas les affronter sans la voiture. C'est trop risqué. La grosse daroine. Je ne peux pas attirer l'attention. Mince avec tous ces tanks. Ah, dans tous les cas, je peux rien faire. Enfin, dans tous les cas, je suis mort. Parce que là, je peux pas remonter. Enfin, si je peux rien faire, faudrait que je me faufile en fait à la porte. Je peux même pas y aller non plus. Je dois trouver un moyen de faire passer la Batmobile avant de les attaquer. Ouais, mais comment? Ah,
Oh, bien, on fait un coup. J'ai faim. J'y peux quoi, mec? T'inquiète pas, ouais, tiens le coup, tu manges dans 2 heures. Ce type doit mal te connaître, hein? Il croit qu'on est coincé ici. Quel genre de accident de voiture là? Pour pouvoir arrêter Batman avec une. Et quelques temps! Diamondback touché! La prochaine fois, c'est cuit! Chevalier d'Arkham. Je vois que vous êtes de retour dans la voiture. Je poursuis le chevalier. Il est là. Espérons que Mademoiselle Gordon est avec lui. Anna Montana. Monsieur, le radar thermique ne détecte qu'un corps, celui du conducteur. Aucun signe de Mademoiselle Gordon. Il sait où elle est, Alfred. Ne doit pas m'échapper. Tuez cet enfoiré! Cette voiture va durer le temps. Repousse-le. Il se rapproche. Sors-le d'un coup. Ça dit quoi, l'équipe? Ça fait quoi? J'enveloppe et se prépare, monsieur. Bah jouez, moi je suis sur mon jeu, moi. Ah, ça l'arabe. Ah mais vas-y. Arrête de passer sous la tour Eiffel. Je t'enculé, toi. Oh
moi je l'ai eu, sans missile. Transport blindé HS, je répète, transport blindé. Il faut que je retourne à la voiture. Elle est attaquée. Le conducteur n'est pas le chevalier d'Arkham, mais il saura où je peux le trouver. Ils attaquent la Batmobile. Je dois retourner là-bas. Il bouge pas, toi. T'as déjà mis un one. Cible touchée. Il a déjà mis un one. Tous vouloir se battre. Je m'ennuie, donc, frère. Ferme ton fion, s'il te plaît, bébé. Moi là, je vais aller faire la campagne sur Cold War. J'attends juste que ça soit installé. Où est le chevalier d'Arkham? De quoi t'as dans dit quoi? 10 minutes. Je vais aller faire du Cold War dans 10 minutes. Tiens, bon gars. Non. Comment ça non? Allez, viens. Je sais comment tu penses. Ce qui veut dire que je sais comment te parler. Je suis Vanguard, je t'attends. Où est-il? Non, avec mais Barbara Gordon. Je crois vraiment, je vais venir avec toi. Elle est à nous, oui, maintenant. Tu imagines ce que le chevalier va lui faire. En fait, je crois pas, c'est pas une question, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Non, fais pas ça. Tu crois vraiment que je te pose une question aussi? T'as cru que je te pose une question, moi? T'as cru que tu... Ouais. Où est-il? Il est allé voir le petit gros, le pingouin. Oh putain, j'ai faim, ça. C'est lui qui fournit les planques pour l'attaque. Le chevalier est allé le payer pour ses services. Il est tout froid. C'est tout. C'est tout, je le sais. Au fromage, là, c'est me souviens. Tu te souviens d'autre chose? Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Oh, ils sont bons. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société. Ferme ta gueule. North. Allez. North Refrigeration. Merci. Allez. Ah mec, j'ai mis mon ETS niveau 51 et je l'ai en aide noire. J'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur North Refrigeration. Très bien. Puis-je vous demander pourquoi? C'est le pingouin qui fournit le chevalier d'Arkham. Et pour l'heure, il est ma meilleure piste pour trouver Barbara. Je regarde tout de suite, monsieur. Ah, je vois que monsieur Fox essaie de vous contacter. Monsieur Wayne, votre nouvelle amélioration pour la Batmobile est fin prête. La Batwing est en route vers Grand Avenue. Monsieur, j'ai découvert que le chevalier d'Arkham utilisait un programme pour émettre un Batman. Ouais, ça va, Fred. Ah, maintenant. Ah, c'est. Dois-je le bloquer? J'en sais. Toute intrusion future. Gardez le canal ouvert. Lui, il parle. Attention. Très bien, monsieur. Samy, il demande si tu joues. Chassons un avion qui fonce vers Grand Avenue. Ce truc vient de virer à 180 degrés avec une pointe à 12G. Je connais personne capable de faire ça. Moi si. Est-ce que c'est pour partir en guerre? Le générateur des armes C3 permet de surcharger les armes secondaires, augmentant ainsi leur capacité offensive. Oui, c'est bon. Ah, c'est les one shot en gros. Cible alpha a touché un Diamondback. Blindage endommagé.
capacité de frappe multiple. Pensez plus vite. Frappez fort, sergent. Je vois de la tour froissée. Blindage du drone Mamba est touché. Mamba, hors ligne. Ouais, il s'est pris de... dans ta gueule, sale arabe. Rappeleur hors ligne. C'est la Hagla, c'est la Hagla. Batman a détruit un drone. Faites-le payer. Touché. Il a détruit l'unité de drone de Grand Avenue. Pourquoi ses pieds c'est des morts? Monsieur, j'ai fait des recherches sur North Refrigeration, comme vous l'avez demandé. On dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment déjà. Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Blenheim avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Radlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur, si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ces véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir... Est-ce que tu joues, Fred ? Sélection de mission, on continue sur... Voyons ce qu'a Nightwing sur North Refrigeration. Si je trouve le pingouin, je trouverai le chevalier d'Arkham. Tout à fait, monsieur. Maître Jason vous attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Radlag. Tu vas prendre le volant. Qu'est-ce qu'il faut? Du coup, avec leur connerie, ils se sont fait de nouveau plus. Alors, Batman a sauvé la situation à Ace. Tant mieux pour lui. Ça fait plus de billets pour le monde. Ça n'est pas un peu de temps. Qu'est-ce que je peux jouer contre toi? J'ai pas fini de faire une campagne. Stefan, Anouche, alors, encore en train de rôder sur les toits. Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi? Quand j'ai su pour Barbara... Non, c'est Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi? Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce, laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux oh, Fox s'est surpassé sur ce coup. Bibi. A bientôt. Pas galoche. Ok, vas-y, boutique, quoi, je t'entends plus. Brouilleur, capacité, ok. En gros, on tire sur le camion et on le suit, quoi. Je peux désactiver leurs armes grâce à... Sur sabotage du brouilleur. Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. Où est le piège? La caisse est électrifiée. Quoi, mais non, mais ça m'a ceux supprimé. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Vas-y. Me plaît pas à des flingues gratuits. Je ressens l'autre type qui a tué mon frère. C'est quoi ce jeu de merde? Toi, celui qui me fait la tronche de mon pote. Est-ce que j'en fais toute une histoire? Tu vois quoi, là, c'est... Tu vois, ils forment tous une grande et belle famille. Des malfrats à la petite semaine qui se mettent à travailler ensemble. Tu fais quoi? C'était pas comme ça, ce bon. On respectait les règles. La caisse d'armes est HS.
Je devrais viser les armes à feu dont ils sont munis. Quelle friction bossait pour lui. L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Un type a fracassé une bouteille sur une table et lui a enfoncé le tesson dans la tronche. Batman avec une batte de baseball. Qui a déjà vu ça? Ok, c'est carré. Voyons. Un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage de pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Je ferais mieux de marquer le camion avant de surprendre les hommes à l'intérieur. Bien. Je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Qu'est-ce que t'as oublié? Comment j'ai pas rentré ça? Non, je m'embrasse. Dégage, en fait. La subtilité et le bruit de la voiture pourraient leur faire peur. Je dois les suivre depuis le marquage du véhicule reste effectif. Et ce, même à travers le bâtiment. Il faut que je garde la cible en vue et à portée. Le bruit de la voiture pourrait leur faire peur. Ça va, la meuf, on dirait qu'elle se fait violer. Je dois les suivre depuis les toits en restant hors de leur vue. Je vous donne trop de chance. Le mec en haut, ce bâtard! Samy, je l'aime pas en vrai, c'est putain de merde. Faut que j'augmente ma sensibilité. Ah, tant mieux. Retourne à la planque avant qu'il nous retrouve. C'est possible ça! Non, je vais augmenter ma sensibilité, c'est aberrant. Complètement surfait. Même contre ce tas de ferraille, il a rien pu faire. Moi je dis Hagra. Rassure. Je veux pas me gratter le crâne. Non mais sérieux! Personne ne vous a suivi. Batman a essayé mais on lui a fait peur. Ouais, c'est ça. Baguez-vous le cul, le boss veut nous parler. Non. Wouah. Oh, Samy, en fait, ça fait tout gagner. Moi, je serais arabe. Ils m'ont mené tout droit au stock d'armes du pingouin. Balancez toutes vos grenades. Putain. Le rideau métallique est verrouillé. Je dois trouver un autre moyen d'entrer. Le toit est lourdement gardé. Ce doit être le point faible. Wouah, c'est bon. L'endroit soit protégé. De qui? Batman. Il y a plus double face qui me tient. Qui s'en fasse. On va faire quand même possible. Moi aussi. Wouah. Par là, laissez fuir. Einstein, c'est moi Einstein. Wesh! Non mais sérieux! Oh les balles de pompe, c'est aberrant. J'avoue,
c'est comme trouver quelqu'un. Ah merde. Attends, je vais aller casser la tourelle. Trop jeté pourtant, t'as ce que je pense. Samy. C'était le dernier. La zone est sécurisée. Il est temps de faire un siège. Tu te sens beaucoup. Les poumons sont gras, des souvenirs du passé. Bien sûr, on va faire un temps. Allez, fais quelque meurs, chose. Meurs. Mais oui, d'accord. On fait quoi? On gagne pas, je pète un câble. Hein. Vous jouez F1? Moi, je joue. Je vous l'avais bien dit. Ça va être génial. Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y. Oh lolo. Quelque chose, il flotte la thune, les gars. Comme vous le savez, et ça me... Voilà, oh, j'ai grave le soleil, la cam. Barbara, je parle à dis-moi où ils sont. Alors c'est elle, la captive. Ouais, la petite fille chérie des commissaires. Ah. J'étais à 3 de francs, je pouvais rien faire. Je vais briser tous les os de ton corps. D'accord. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique. Nice. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est dirigeable au-dessus de la West River, ils sont à lui. Relâche-le! On va tirer, Batman! Ça... L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tu es fini, Batman. C'est comme ça que tu gères la situation? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Chopez-le. Comment je la garde? Wouah, c'est quoi cet art? Wouah, c'est 15 ans de tir, il est incroyable. Non, j'ai abîmé vraiment. Wesh! Oh, oh, mais je l'ai terminé 5 d'un coup là, je reconnais! Wouah, gros, mais il est puissant ce jeu là! Ouais, je l'ai tiré ça comme un ballon de foot, frère. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cherchés dans la ville. Cherche des indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés. Oh, j'ai fait une VTL! Non, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air plus menaçant. Ça va pas bien dans ta petite tête, Batou, si tu appuies sur la gâchette. Tu nous descends tous les deux. Sur la gâchette, tu vas nous faire exploser. En temps normal, je paierai un bon prix pour voir ça, mais on n'a vraiment pas le temps.
Si je me plante, j'ai envie de tenter une strat. Putain, mais je fais deux fois la même! Je voudrais pas être à la place de ce type. Je devrais m'éloigner du coffre. Je serai trop près de l'explosion. Maintenant faut que je sorte de là. Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique. Bien, monsieur. Bah, je suis con. Oh, sérieux, au moment où je cours. Bah, cours pas. Je vais chercher Barbara. Je te contacterai dès que j'aurai repéré un des camions du pingouin. Merci, Dick. J'apprécie ton aide. Ça sert à ça, les amis, Bruce. Comment je sors de là, moi ? Ah, par l'échelle, bien évidemment. Alors, voyons un peu comment ça se présente. C'est une bonne vieille embuscade. Oh, oh, oh. Attends ici, Batou. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ses imbéciles. C'est parti! Tirez! Peu à volonté, allez! Je savais pas que les bottes freinaient aussitôt ici. Ouais, là, j'ai perdu mon aileron. La balle de Snap, je me suis plus dans la gueule. Bon, au moins je vais pouvoir faire la stratégie que je voulais faire. Je vais mettre des durs, je vais aller jusqu'au bout. Oh putain, je suis premier, gros. Mais Samy, tu joues à quoi, toi? Regarde. Regarde ce pétrin, ne me regarde pas. J'ai cassé mon aileron. Je ne suis qu'une voix dans ta tête. Oh, mais les gens qui utilisent bouclier là. Bah en fait si je sors je suis mort quoi. Ah bah je suis con. Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Non mais sérieux ? Non, non, c'est abusé. Je sais pas, je crois que oui. Va vérifier, trouve le corps. Non, vas-y toi. T'as dit que tu l'avais touché. Non, je me suis trompé. C'est toi qui l'as eu. T'es un sniper et moi. J'ai plutôt du genre de pouvoir approcher. Mais non. Un saut arrière, coupe-toi! Est-ce que ça fait mal, bande de fils de pute? Personnellement, j'aurais utilisé de vraies balles. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg? Voyons. PDG de Stagg Enterprise. Une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule. Comment ça, c'est lui? L'analyse Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez d'accord, franchi le pont. D'accord. Ne vous en faites pas, Alfred. Bien, soyez de l'équipe. Bien sûr, c'est toits. Moi. Bien essayez sûr, de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Ta gueule. Bonne chance, monsieur. Voilà ce qui va se passer.
Je vais arrêter là. On reprendra peut-être demain après-midi. Voilà. On reprendra demain, ouais, je pense. Voilà. Donc là, on va sauvegarder. Chef, je suis le meilleur joueur, bande de nazes. Voulez-vous vraiment l'acter parti? Après, j'ai augmenté l'ascenseur. Et on reprendra ça plus tard. Voilà. A tout à l'heure. Vas-y, moi je vais faire une petite pause.